Sois la bienvenue, étrangère. D'après Javad, les fouisseurs avaient été repérés à l'ouest de la carrière. Je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée. Il sort mort près des chutes. Je devrais aller voir. On dirait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. Ancienne mine. Et tous ces arbres brisés. Comme si un troupeau était passé. C'est de là que viennent les fouisseurs ? Mais comment ? À moins que cette grotte ne mène hors des couards. Les anciennes voies se sont effondrées. C'est récent, on dirait. Je ne peux pas passer par là. Des fouisseurs. Alors ils sont bien arrivés par là. Ils ont dû se retrouver piégés. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone. Je devrais peut-être aller améliorer mon arme. Je cherche d'où vient la fumée. La mine est très profonde. Il y a cette flambée ici pour faire sauter une montagne. Il y a un message sur l'un de ces barils. Un message adressé à Olvun. On dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée. On va regagner de l'argent. On va continuer de creuser toujours plus profondément. Je devrais aller dire à Javad ce que j'ai trouvé.
Ulvund continuait les explosions dans la mine. Pour essayer d'en tirer des ressources. Jusqu'à ce que les fouisseurs ravagent tout. Les explosions peut-être ouvrir un passage. Mais vers où ? Voilà, bienvenue, étrangère. Ouais, je vais tout avoir. Calme. Heureuse. Quelle nouvelle apportes-tu ? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long et ils vont même au-delà des couards. Non, tu crois pas que... Ulvund a ouvert un passage vers l'autre côté ? Peut-être. Oui, c'est possible. Et si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. Il faut que j'y aille. D'accord. Je sais pas. Quelque chose qui a... Si je veux trouver par où les fouisseurs sont entrés, je dois continuer vers l'ouest. Raison de plus pour que l'ambassade ait lieu. J'ai entendu le sifflet. Il faut y aller. Mais j'ai pu censé avoir trois escorts. Je pars pour Cagnard, voix 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante ? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi, alors. À plus tard, Aloy. Je devrais améliorer mon arc avant de partir pour Cagnard. Qui sait ce qui m'attend derrière ces portes ? Ça vaut toujours mieux que de traîner avec des échevins dans le... Et tu comptes rester là ? Un marteau cassé, je peux rien faire.
ton matériel? Les tapis et pas toujours aussi classe. Pour la bière, finalement? Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas par le feu et la braise. Ça réparera pas la force. Mais on s'y t'arrête. Enfin, après, c'est bien un oiseau dernière. Mais les refus, il faut pas. Ouais, enfin, tôt. Bon, si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés. Pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland la leur complique. Personne ne veut jouer à encore à Skorok. Je pourrais lui rendre visite. Apprendre à le faire s'il y a un trésor ici.
Parler de la troupe itinérante de Sœur. Voilà, bienvenue, étrangère. Je vais voir l'argent. Donc retourner à une source après tout ça. Non, la ville me manque parfois, mais voilà juste pour impressionner les échevins de Pessour. Un peu de reconnaissance. Aussi gratifiant que le ratissage. Des pillards. D'après Milduf, je peux trouver une plaque de métal dans l'un de leurs stocks. Leur plaque de métal. On va voir. Thank you.
cristal dans l'état de pièce. Je vais garder le surplus pour plus tard. J'ai tout ce dont Mildiff a besoin. Ça tombe bien, je commence à avoir.
Bienvenue, étrangère. On a déjà des cartes. Si on peut vraiment... Voilà. J'ai encore reçu la visite d'Ulvund en personne. Il a insisté, mais je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable. Je t'écoute. En prépa... Au lieu de... Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau. C'était incroyable. La prochaine fois que tu voudras le meilleur, tu sauras où me trouver. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Merci. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds. Puisque t'en parles, tiens-toi bien, mais je concocte déjà ma prochaine action de résite. J'espère à bientôt. Un repas gratuit. Ça va les rendre fous des haltes. Peut-être faire des réserves de nourriture. Avant de repartir, et passer voir ce que Mulduf prépare.
Nora vient faire ici. C'est toi, la chasseuse de machines qui a sauvé les Karja. C'est une façon intéressante de résumer. Tu veux quoi? J'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises. Ben, on t'a mal enseigné. Il y a une carcasse là-haut, d'oiseaux tempêtes. Je l'ai abattu moi-même ici, avec un harpon. C'était pas facile, je peux te le garantir. J'ai atteint ses ailes, et il s'est écrasé dans la vieille tour, là-haut. Ça a pas traîné. Alors si quelqu'un harcèle quelqu'un, ce sont ces saletés de Karja de l'ombre. Ils m'empêchent d'accéder à mon dieu. Et t'es prêt à les agresser pour récupérer ces pièces? Non. Ils sont dans un sale état. Ils mourront sans doute de faim tout seuls, comme des grands. Ça, c'est ce qu'on verra. Eh oui, c'est ce qu'on verra. Bon, on sert pas les amis des Karja ici. Allez, tu peux dégager. Que même la... Sans doute, je dois s'entraîner au combat. Tu voulais me parler? Moi alors, tu sais mieux que personne que le monde est plein de dangers. Et je ne parle pas que des machines. Je suis Odurg. Ceci est ma fosse d'entraînement. C'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'Ouest Prohibé. Dis... Je me demande qui gagnera le combat. Toi, sauveuse de Méridien, championne de l'Est, ou l'implacable, maîtresse de l'Ouest? Qui? L'implacable, une guerrière Ténac légendaire, la maîtresse des maîtres. J'ai entendu dire que les Ténac ont des fosses d'entraînement comme celle-ci. C'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables. Et seuls les meilleurs combattants des fosses peuvent s'entraîner avec l'implacable. Donc, pour trouver l'implacable, je cherche les fosses d'entraînement si jamais je vais là-bas. Tu devras aller loin pour ça. Les Ténac sont divisés en trois clans. Trois clans, trois capitales, trois fosses d'entraînement. Je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable. Si les Ténac ne te tuent pas avant, bien sûr. Mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici, alors en attendant... Je propose aussi des défis pour tester tes compétences. Et je combats... Bon, je sais très bien que tu es la sauveuse. Mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier. C'est les règles. On n'utilise que des lames émoussées et des... Cette bande d'ivrognes serait capable de s'éventrer, sinon. Tu vas devoir laisser tes affaires à la porte, sauf ta lance et tes flèches d'entraînement. Mais... Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux t'entraîner? Peut-être. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Thank you.
La lentaille aérienne. Une fois que tu es dans les airs, abat ta lame sur ton ennemi. C'est un moyen redoutable pour enchaîner les attaques. Sa parade d'armes, puis continue l'assaut avec cet enchaînement d'attaques. Sa parade d'armes, puis continue l'assaut avec cet enchaînement d'attaques. Sont un jeu d'enfant, un véritable combattant les combines. Déjà, entraîne-toi sur ces enchaînements. Ta lance se recharge après les attaques. Je crois que les attaques et les enfants ont réussi la recharge. Et c'est la Nora qui leur porte. Détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts à l'ennemi. Elles sont lentes et t'exposent au danger. Il faut choisir le bon moment. Les parades d'armes et font plus de dégâts. Mais elles sont lentes. Tes adversaires risquent de contre-attaquer. Alors, dis-moi qu'ils font accepter. Les attaques légères sont rapides, mais faciles à parer. Alors apprends à les combiner avec d'autres attaques.
continues de faire les mêmes attaques, ton ennemi les esquivera. Varie tes attaques et tes enchaînements. Il faut que tu sois moins proche. Pas marché. Réessaie. Allez, si ton adversaire continue de te parer, frappe-le avec une attaque ou une attaque puissante. Non, tu peux aussi l'attaquer. Continue de faire les mêmes attaques, ton ennemi les esquivera. Varie tes attaques et tes mouvements. Il faut que tu sois moins prévisible. Ça n'a pas marché. Réessaie. L'adversaire continue de te parler, frappe-le avec une attaque lourde ou une attaque puissante. Sinon, tu peux aussi l'attaquer par derrière. Si tu continues de faire les mêmes attaques, ton ennemi les esquivera. Varie tes attaques et tes enchaînements pour que tu sois moins précis. Bien attention à la posture de ton adversaire. Lis ses intentions. Choisis tes attaques pour briser sa défense. L'énergie n'est pas éternelle. Tire vite sur la partie brillante de ton adversaire. Cette lance peut te donner l'avantage. Continue de la recharger, puis attaque tes ennemis. Déclencher ces explosions d'énergie devrait t'aider à les vaincre. J'abandonne.
Bon combat, mon ami. Bon combat. Est-ce que ça va? Oui. Oh, ça m'apprendra à penser que je peux affronter la sauveuse de Méridian. Tiens, prends ça. Un petit cadeau pour la nouvelle championne. Merci, Oudurg. Ne m'oublie pas, surtout. Reviens me voir à chaque fois que tu voudras m'affronter. Je dois y aller. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. Désolée, je suis à toi tout de suite. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme. Bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur. S'il te plaît, arrête de parler. On en était où? Ah. Bon, alors... Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein. Je me trompe. En fait, je... Est-ce que tu peux arrêter? Je suis avec une cliente. Je suis pas une cliente. J'ai trouvé 3 fois plus de poudre. Il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum, tu es en un coup, garanti. Ou... peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookine. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version? Destructrice de machines, explosive, mais totalement sécurisée, de lance-javelot. Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin efficace, ouais, basique, mais quand je... Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi, de le péter. J'utilise des pièces de ma... Boomer ici présente soutient qu'il vaut mieux améliorer avec une pointe ex... Des bâtons boom. Pourquoi pas les deux? Ça, il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin de... De cornes de coureuse. Intact. Oui, sinon les cornes, la véritable innovation. Et que ça reste. Il y en a un énorme boomer. Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis par.
rumeur a dit que ce cornet sable devait être par ici. Voilà le cornet sable. Je vais devoir là-bas. Je peux regarder un peu sur moi. À elle. Impossible. Je connais cette expression. T'as toutes les pièces, c'est bien ça? Et voilà.